tout le monde, c'est Desvisage Gaming. Donc on se retrouve pour une vidéo assez spéciale concernant l'application Share Factory qui consiste à créer des montages vidéo. Donc je fais cette vidéo tuto pour un abonné qui m'a posé la question comment faire. Donc je lui ai répondu par écrit, mais je voulais lui montrer plus précisément comment faire. Et pour vous aussi, pour les petits curieux. Donc je fais nouveau projet. Donc là on choisit un thème, donc moi je prends le thème PlayStation. Donc ce qui est coché c'est ce qui va apparaître dans votre vidéo au tout début. Donc moi j'enlève ça et je garde que les deux là. Très important, vous choisissez un des trucs 1, 2, 3, 1 des 4, 5 là. Voilà. Vous n'êtes pas obligé, hein, mais moi je le fais tout le temps. Et après, vous prenez un clip vidéo que vous avez sauvegardé dans vos galeries. Donc moi, je prends celle-ci. Après, vous faites carré, vous lancez, vous renommez. Je vais mettre tuto. C'est normal que vous ne voyez pas le texte. C'est normal, vous inquiétez pas. Je fais ça, je fais continuer. Donc là, ça va faire ça. Voilà. Après, il y aura marqué tuto. Donc j'utilise ça pour... ça, donc je l'ai coché, ça c'est le deuxième truc que j'ai laissé cocher. Donc ça c'est pour voilà, pour mettre le titre de la vidéo. Moi je l'utilise pour ça. Et après vous avez carrément toute la vidéo. Voilà, bon, moi elle dure un peu trop longtemps, mais pour la supprimer, parce que là je vais faire une intro, alors vous faites supprimer, couper clip, vous mettez au moment le plus important. Moi je vais mettre le kill headshot au snipe. Hop. J'attends qu'il prenne le snipe. Voilà, comme ça. Donc ça donne ça. Donc voilà, ça donne ça. Donc après, pour ajouter de la musique, il vous suffit de faire... j'ai oublié de vous dire. Donc il y a plusieurs styles de menus pour modifier des choses. Il y a carré, qui vous permet de paramétrer des choses. Donc il y a scinder le clip, il y a couper le clip, ce que je viens de faire, déplacer le clip, supprimer le clip, volume du clip, modifier effet, commentaire, ça c'est pour parler en même temps dans la vidéo. Et modifier musique. Et vous avez aussi le bouton croix qui vous permet d'ajouter des choses. Donc croix, c'est que pour ajouter des choses. Ajouter clip, ajouter capture, ajouter effet, ajouter commentaire, machin truc, etc., etc. Donc moi, je vais faire croix. Donc je me mets ici. Là, je vais pas mettre de musique. Là, je vais faire la musique. J'en mets pas ici. J'en mets pas là non plus. J'en mets pile à la troisième vignette. Donc la vignette, c'est le petit carré. Là, il y a un carré, deux carrés, trois carrés. Je me mets là, pile là, hop, je fais ajouter musique, je choisis ma mini, et je choisis cette musique là. Donc après c'est normal, ça va durer très longtemps, ça va allonger la vidéo, mais il n'y aura pas d'image, donc c'est très normal. Enfin c'est très normal, c'est normal. Il vous suffit de scinder la musique. Donc il faut faire carré, faut faire scinder musique, vous choisissez l'endroit, donc moi je mets pile avant que l'image Share Factory apparaisse, donc ici précisément, je vais confirmer, donc ça sera toujours allongé, c'est normal, faut pas vous inquiéter, vous faites carré sur la grosse vignette là, donc là 1, 2, 3, 4, la quatrième vignette, vous faites carré, vous faites supprimer clip, enfin supprimer musique, confirmer, et donc après voilà, donc après là il y a le début, voilà, je vais pas montrer, après ça fait ça. Voilà, après vous pouvez la faire commencer du début et tout. Alors voilà, ça c'est déjà fait pour la musique.
Pour la mettre en grand écran, faut appuyer sur L2. Voilà. Voilà. Je vais donc pour la musique c'est bon. Après je vais montrer quelque chose. Donc je vais vous montrer ajouter effet. Donc effet. Non, ajouter une capture d'écran plutôt. Là j'ai plus rien à faire là-dedans. Si je vais baisser un peu le volume. Comme ça. Donc je vous faites. Merde. Je vais ajouter une capture. Donc une capture d'écran. Je vais par jeu, je mets Far Cry 4. Je choisis la capture d'écran que j'ai trouvée sur internet, celle-là. Donc vous la choisissez, vous faites carré. Donc ça va faire ça. Hop. Donc vous pouvez laisser continuer la vidéo. Donc avant, si vous voulez mettre de la musique sur une capture d'écran ou quoi que ce soit, vous devez d'abord mettre, pour que ça soit plus simple, d'abord mettre la capture et ensuite mettre la musique. Mais moi je m'en fous, c'est juste pour vous montrer comment faire. Donc là je fais croix dessus, je fais ajouter effet, je mets un texte, je mets abonne-toi, abonne-toi avec un smile, je fais terminer. Je peux changer de couleur, je vais le mettre en rouge. Non, en bleu. En bleu, c'est mieux le bleu. J'aime bien le bleu, moi. Donc là, après, vous pouvez le changer de place. Voilà, vous pouvez le mettre au centre et tout. Donc voilà, c'est bon. Donc après, je vais ajouter des effets, donc des images sur cette partie-là. Donc je vais choisir pile le tir, au moment du tir. Donc là. Donc à ce moment-là, pile au niveau du tir. Donc à ce moment-là, je vais ajouter effet. Je fais stickers. Bien. Donc, il y a plusieurs catégories. Je fais stickers. Je mets quoi? Allez, je mets un petit poum. Je fais modifier parce que je change de sens. Hop, je le tourne un petit peu. Comme ça. Hop, je fais rond, ça va sauvegarder. Je refais croix pour ajouter quelque chose. Ajouter. Je sais pas ce que c'est ça. Ajouter effet. Je vais marquer un texte. Je vais marquer. Je vais marquer. Boom. Bitch. Boom bitch, galazware, bitch, bit, boom bitch, vous choisissez la couleur, moi je vais mettre en rouge, j'aime bien le pink, vous faites modifier, vous mettez, je sais pas où vous voulez, hop, par exemple, vous pouvez choisir la luminosité, donc voilà, hop, donc moi je vais le laisser comme ça. Ajouter effet, je vais mettre un autre truc. Stickers, je vais mettre un truc comme ça. Ajouter effet. Mais je crois pas qu'on peut le rétrécir par contre. Je vais mettre là. Par exemple. Hop. Hop. Donc ça donne ça. Voilà, donc j'aurais dû les mettre avant, hein, mais du moment que je vous montre comment il faut faire, il n'y a pas de sous-size. Donc voilà, bah, c'est tout. Donc je vais juste vous montrer ce qu'il y a d'autre comme effet. Donc il y a les stickers. Voilà, encore des stickers. Il y a des. Voilà, on peut mettre l'image en négatif, en noir et blanc, en truc ancien, en luminance, voilà, patati. Disposition, ça c'est la forme de l'image, donc on peut la mettre en coupé comme ça, en bande verticale, vous pouvez la couper en deux, enfin, franchement, vous pouvez faire plein de trucs. Donc, ensuite, vous faites rond, vous faites enregistrer et quitter, vous faites mes projets, ça sera marqué là, tuto, vous cliquez dessus. Après, vous faites, si vous voulez la mettre sur YouTube ou la mettre dans vos galeries de photos, vous faites start,
vous faites, enfin option, vous faites exporter vers galerie, ça va vous faire un temps de chargement, puis bah voilà, ça va vous la mettre dans vos galeries. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc j'espère plutôt que ce tuto vous aura plu, que ça va vous aider à comprendre comment je fais et si vous avez la PS4, comment l'utiliser. Donc bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Donc je vous dis tchuss, à plus.